La question la plus détestée que les hommes n'aiment pas quand on les pose dans la diaspora, surtout mes amis sans papier, la question piège pour les femmes. Quelle femme veut te piéger? Qu'elle veut savoir si elle va continuer avec, à causer avec toi ou pas? Elle a une question qu'elle te pose. Tu es là, ça fait combien de temps? Tu es là, ça fait combien de temps? Ça détermine tout. Si tu ouvres mal ta bouche et que tu réponds d'une certaine manière, elle bloque directement. Même si elle a pris ton numéro, il y a de fortes chances qu'elle continue. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'elle te bloque une fois. Donc, parfois même, quand vous êtes en train de causer, même, dès que tu dis seulement, même le numéro, elle ne donne plus. Oui. Non, je suis là, tu sais, je suis là, ça fait 6 mois, il vient d'arriver. Certains idiots, certains gars qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas, ils pensent qu'en disant qu'il est nouveau, ça le sauve. Ils pensent qu'en disant que je suis nouveau, on va dire que okay, bon, il est nouveau, il n'est pas comme les autres. Non, petit. Non. Ne dis jamais que tu es nouveau. Quand tu dis que tu es nouveau, ça sous-entend que quoi? Que tu viens parce que tu as besoin d'une situation. Tu viens parce que tu as besoin des papiers. C'est ce qu'elle pense directement dans sa tête. Même si ton intention, ce n'est pas ça. Elle, dans sa tête, elle reste braquée directement. Nouveau égale sans papier. Elle te bloque. Elle ne veut plus connaître la suite. En bon entendeur, salut. Si tu veux la suite, partage la vidéo et like. Je te donne la suite. Je vais vous voir sur les réseaux sociaux. Je vais vous apprendre à être un peu, voilà, intelligent. C'était Bazote. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.